quelles leçons, personnellement, chacun a tiré ou tire des ténèbres, justement. Quelles leçons ai-je tiré de ces ténèbres qui sont effrayantes et qui nécessairement posent question à toute conscience humaine? Quels secrets ai-je arraché ou cru arraché à la mort, comme le jeune Nacicetas dans rejeté ou envoyé par son père sous un coup de colère par, dans le royaume de la mort. Alors en suivant aussi Ulysse, aîné, nous avions vu qu'il y avait cette relation toujours enrichissante avec ce qu'on appelle les défunts, ou ce qu'on appelle nos morts aussi. C'est touchant, ce n'est pas de la possessivité, mais c'est un lien qui ne peut pas être détruit. À ce propos, puisque l'au-delà, les enfers, l'invisible, ce monde de présence ou que l'on croit d'absence, c'est bien sûr, ça ravive ou ça met à jour nos peurs ou notre peur fondamentale de disparaître. Ça ravive en effet des douleurs des êtres qui ont quitté le monde. Il y a toutes les formules en effet pour adoucir cette déchirure. Il est parti, il s'est éteint, il a rendu son âme à Dieu. À ce moment-là, en effet, il y a eu, est venue cette formule, c'est pour ça que j'ai exprès de dire formule, de faire son deuil. J'ai, de façon un peu catégorique, comme d'habitude, j'ai dit que cette formule était violente ou déplaisante, c'est parce que justement je la sens comme une formule. Or, il me semble que toute expérience, que ce soit d'amour, de relation à la divinité, que ce soit bien sûr un deuil, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de formule. Chacun, chacune est amené, hélas, de gré ou de force, comme la descente aux enfers, à vivre cette expérience qui est en effet une expérience de déchirure, mais qui peut se transformer en douceur. Voilà, donc aucune formule, aucun mot magique, aucune recette sur ce mystère de l'amour, de la mort, de la perte, de l'absence, de l'au-delà. Voilà pourquoi je rejette cette expression, mais que bien sûr chacun, chacune, en son intériorité profonde, peut faire sienne. En effet, hein, comment métamorphoser cette déchirure en douceur, comment la colère et la révolte, celle d'Orphée qui perd sa femme, comment cette colère, cette révolte, ce refus en effet de l'absence de l'autre, quel qu'il soit, cette autre chair, comment cette colère, cette révolte peut être apaisée, hein, peut trouver un baume, et comment cette absence physique peut devenir présence bienveillante, c'est-à-dire qui veille sur et qui peut être guide, éclaire et console profondément. Voilà. Alors, j'ai trouvé aussi que, nous avons trouvé, nous avons vu que ceux qui descendaient au royaume des morts, aux enfers, eh bien, ils étaient à la fois, ils faisaient l'expérience de leur aspect chétif, précaire et mortel, immensément fragile. Ça nous rappelle notre immense fragilité, mortelle et éphémère. Et en même temps, quelle audace, quelle vaillance, quelle résolution, quelle détermination, hein, quel courage, quelle ressource pour aller affronter ce royaume, hein, ce monde inconnu, mystérieux, redoutable, etc. Vous savez, c'est la fameuse formule de Blaise Pascal, la misère et la grandeur de l'homme. Hein, et avant Pascal, 17e siècle, je me souviens plus précisément, mais lorsque le cœur... dans l'Antigone de Sophocle, donc là on est au 4e, 5e siècle, plutôt avant Jésus-Christ, dit mais quelle merveille que l'homme, que l'être humain, parce qu'il peut faire des choses merveilleuses. Et en même temps, la formule n'est pas
il n'y a pas de copyright sur la formule. Et en même temps, eh bien, cet être humain, il est à la merci du premier souffle venu. Il peut disparaître et est extrêmement fragile. Donc c'est ça qui est beau, de nous rappeler la foi lorsqu'il peut conduire à l'humilité. En effet, qui suis-je pour vouloir me mesurer aux divinités, de transgresser l'ordre cosmique, qui suis-je, et pourtant, c'est l'honneur de l'homme, on ne peut pas dire autrement, c'est l'honneur de l'être humain, c'est la noblesse de l'être humain, c'est cette grandeur en lui qui lui permet de se mesurer à le démesuré, je dirais, ou l'impossible. Et nous avons vu aussi que, est-ce rassurant ou non, c'est pour ça, émerger à la fois dans diverses aires culturelles, dans diverses religions, à travers siècles et à travers le monde, nous avons vu émerger quand même l'image, l'idée, l'espérance d'une délivrance ou d'un salut dans l'au-delà, au lieu que les enfers soient la mort pour tous et qu'il n'y ait pas d'espérance, qu'il n'y ait pas de salut. Dans l'au-delà, on a vu, alors est-ce que c'est rassurant de voir qu'il y a une topographie bien claire des enfers, hein, comme l'a montré Homère ou Virgile? Bon, est-ce que ça nous rassure de dire, bon, on va passer le fleuve à tel, et puis donner le bol à Caron, et puis essayer de faire, pas une caresse à Cerbère, mais essayer de passer à travers en dehors de ses crocs? Bon, est-ce que c'est rassurant de se dire, bon, j'ai dit à peu près bien dans ma vie, un homme de bien ou une femme de bien, donc je serai aux Champs-Élysées, mais je serai quand même une ombre errante et sans conscience, à moins d'avoir été Tirésias. Ou alors, pour les héros quand même, comme Héraclès, je peux, ma gloire, au sens ma renommée, me permet de rester dans la mémoire des hommes, et je peux aussi, bon, Héraclès, il peut aller quand même du côté de l'Olympe, comme d'autres héros, hein. Voilà, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit à mon désir profond, hein? Est-ce que ça comble ce désir, cette soif d'infini, mon désir d'éternité, hein? Et c'est pour ça que nous allons nous acheminer. Alors, nous avions vu, il y avait non pas des... Si, c'était un enseignement. Lorsque le père d'Énée, en Chise ou en Guise, rappelle ou dévoile à son fils, en effet, que c'est l'esprit... Hein, parle de l'esprit divin, l'esprit qui met en mouvement, fait tourner toute la matière et ce monde, que l'esprit est à l'œuvre en toute créature, même s'il n'y a pas de Dieu créateur pour les Grecs et les Romains, que c'est l'esprit. Et après, vous vous souvenez, il évoque cette grande circulation, je dirais, des âmes, hein, qui remonte à la lumière du jour et qui, en oubliant, et qui renaissent, etc. Bon, une sorte de circulation que l'on retrouve aussi dans ces mythes de divinités ou personnages qui meurent et qui renaissent au printemps. Donc on est encore dans la circularité. Alors d'un côté, cette circularité, c'est une sorte d'espérance parce que le printemps revient. Non, la nature n'est pas morte à tout jamais, c'est une espérance. Et ça peut être aussi, ça peut donner le vertige en disant mais... On ne sortira jamais de cette ronde, je dirais, infernale. Chaque fois, repartir dans le grand cycle, encore un tour de roue, mais est-ce qu'on ne peut pas un jour s'échapper, hein? D'où l'idée de délivrance ou de libération pour les religions comme le bouddhisme, ou les philosophies comme le bouddhisme, et l'image ou la nouveauté inouïe des religions particulières abrahamiques de salut, à savoir qu'il y a une fin des temps. Il y a un temps qui n'est pas circulaire, il y a une fin des temps et un salut, une rédemption et un salut. Donc c'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous approcher de cela, enfin avec crainte et tremblement de ma part. Oui, ce que je voulais ajouter aussi, nous avons vu que dès Homère, 8e siècle, il y avait quand même un souhait de distinguer quand même entre les justes et les méchants, si on peut dire. Il y a quand même un souhait, si c'est quand même pour tous. Voilà. Et après, donc, de là découle de la notion d'enfer au pluriel, le royaume des morts, les ombres errantes, les ombres silencieuses,
de cette réalité pour tous, ou presque, eh bien, va apparaître l'idée de l'enfer comme lieu de damnation éternelle, et bien sûr des siècles entre autres, de christianisme doloriste et vengeur au nom de la justice et du mal, va développer cette image de l'enfer. Et comme on dit, ceux qui souhaitent en effet l'enfer éternel, c'est parce qu'ils se croient, ils se croient assurés de ne pas y être. Donc ils souhaitent pour tous leurs voisins méchants et leurs ennemis, ils souhaitent en effet l'enfer éternel. Voilà. Et c'est une invitation à parler, et je parlais d'autre chose avant, mais à parler de Dante, parce que je me posais la question, est-ce que je vais parler d'évoquer la Divine Comédie avant l'Évangile de Nicodème, je pense à cet après-midi, je me dis, même si Dante, en effet, est postérieur, non seulement à la venue du Christ, mais à l'Évangile de Nicodème, du 2e, 3e siècle, eh bien, c'est important parce que Dante nous a vraiment légué ce voyage initiatique et magnifique avec l'enfer, le purgatoire et le paradis. Donc j'en dirai deux mots, enfin plus que deux mots ce matin. Voilà. Et bien sûr, et très secourable aussi, et sa mère, comme toute mère protectrice et au-delà, aucune mère ne veut, enfin, bonne mère ne veut qu'il arrive la moindre chose, la moindre égratignure à son enfant ou à son fils, et veut le préserver de la mort. On a ça dans tous les mythes, hein, la mère d'Achille qui fait en sorte qu'il reste immortel, qu'il ne soit jamais blessé à mort, etc. Et elle fait Frigg, mais c'est aussi ce qu'on appelle la précaution inutile. Frigg, elle fait prêter serment à tous, alors à tous, non seulement aux êtres humains, aux divinités, aux végétaux, aux animaux, aux minéraux, à tous, elle fait prêter serment de ne pas nuire à son fils. Précaution totalement inutile, mais l'illusion maternelle est vaste, hein, vaste comme son amour, ô combien protecteur, voire enfermant. Bon. Et tous, en effet, prêtent serment, sauf, bien sûr, toujours l'un, parce qu'il y a divinité du mal qui prend toutes sortes de formes, qui se déguise, vous savez, c'est un peu comme la sorcière là, dans Blanche-Neige, enfin la méchante reine, la reine jalouse, et c'est Loki, L-O-K-I, qui prend toutes sortes de formes, et ça peut être aussi le loup, etc. Et à un moment, alors c'est un petit jeu idiot, en effet, qui va se passer. Parce que Loki, dans mon souvenir, Loki, elle dit, tiens, on va, comme si on va jouer aux fléchettes, hein, et il y a Balder, le dieu, et puis on s'amuse, alors lui, il est innocent, et puis on lui lance des petites choses, etc. Sauf qu'il y a Loki qui s'est présenté sous forme d'un arbuste, qui est devenu le gui après comme, j'allais dire, punition. Et cet arbuste, en effet, atteint mortellement Balder, qui meurt et qui descend aux enfers. Donc cet arbuste est un petit peu comme le serpent qui devient rampant, hein, dans la Genèse. Eh bien, cet arbuste devient le gui. Il a causé la mort de Balder. Et Balder se retrouve aux enfers. Où règne, sur lequel règne une déesse qui s'appelle Elle, on va retrouver ça, enfin c'est H-E-L, hein, mais c'est comme l'enfer en anglais. Hein. Bien sûr, la mère de Frigg est inconsolable et tous les dieux sont attristés parce que par le fait ou la faute d'un seul, ben oui, toujours le mal qui rôde, eh bien Balder, le seigneur. Plein de bonté, le Seigneur secourable est descendu aux enfers. Et il reste. Et c'est alors que son frère, Hermodre, H-E-R-M-O-D-R, le frère de Balder, se propose d'aller aux enfers.
Et alors, le récit raconte qu'il chevauche 9 jours et 9 nuits sur un coursier magique, un cheval magique, et puis il parvient devant la déesse Elle et il expose la requête. Et la déesse souveraine des enfers, donc elle consent à laisser partir Balder, à condition que tous, des pierres jusqu'aux dieux, en passant par les hommes, les animaux, les plantes, etc., pleurent son trépas et qu'ils implorent son retour. Que chacun verse, que la création entière verse sur une larme, c'est-à-dire soit absolument profondément touchée, collabore à cette renaissance, ce retour de Balder. Et en effet, tous, du moindre caillou, jusqu'à, bien sûr, c'est un récit mythique, on va dire, ah, les pierres ne pleurent pas, à savoir, hein, peut-être qu'on n'a pas de si bons yeux que ça, bon, les pierres ne parlent pas, peut-être qu'on ne connaît pas leur langage, on a les oreilles un peu bouchées, et donc chaque, c'est magnifique ça, c'est comme dans les contes traditionnels que tout concourt, hein, tout concourt à la fois dans, il n'y a pas juste les hommes, etc., tout est sauvé ou transfiguré, tout concourt, et chaque pierre, chaque arbre, chaque fleur, chaque être humain, etc., chaque animal verse une larme parce qu'il est complètement bouleversé. Et puis les larmes, vous savez, c'est aussi le symbole de fécondité, de renaissance. Et implore son retour. Mais Loki, toujours à l'œuvre, ne peut s'y résoudre. Et Loki, le dieu du mal, refuse la moindre larme, la plus petite larme, à Balder. Et donc, Balder devra rester dans le monde des enfers jusqu'à, parce qu'ils ont bien sûr une apocalypse, enfin une fin des temps, dans la Scandinavie ancienne, qu'on appelle le Ragnarok. Tous ces termes dont vous allez vous gargariser bientôt, hein. Quoi, vous ne connaissez pas le Ragnarok? Je ne prononce pas la... Donc ça, c'est très important chez eux. C'est la fin du monde. R-A-G-N-A-R-O-K. Donc, Balder devra rester en enfer, aux enfers, pardon, jusqu'à la fin des temps. Où il y aura, parce que pour le Ragnarok, c'est pour ça qu'il y a une grande influence chrétienne, le Ragnarok, c'est vraiment équivaut à la rédemption universelle pour les anciens scandinaves. Alors, ce grand Dante Alighieri, il y a deux parties à son époque, les Guelfes et les Gibelins, on va pas trop... lui, les guelfes, guelfes blancs, c'est-à-dire qu'il est hostile au pouvoir temporel de l'Église, et de l'Église de Rome, c'est pour ça qu'il y aura cette bagarre et qu'il mettra dans l'enfer, justement, un pape qui est trop dans le temporel et pas suffisamment dans le spirituel. Bon. Il écrit, alors, la grande rencontre de sa vie, on va bien sûr, on ne la rencontrera pas, nous, aujourd'hui, parce qu'il faudra attendre le paradis, mais il rencontre en 1274 celle qui s'appelle Bice, B-I-C-E, c'est-à-dire Béatrice, hein, c'est le... comment dit-on, pas la réduction, comment dit-on, la diminution du prénom de Beatrice, Béatrice. Il rencontre en 1274 celle qu'il appelle Béatrice, celle qui s'appelle Béatrice, mais qui va partir très vite, qui va rendre son souffle à Dieu très vite, en 1290. Mais cette rencontre avec cette toute jeune fille est une... Dante fait partie aussi d'une confrérie qui s'appelle les Fidèles d'Amour, dont on trouve l'équivalent en Iran, chez les soufis d'Iran. Il faudrait renvoyer, on en parlait hier, du grand Henri Corbin. Pour faire vraiment, je vais simplifier à l'extrême, les fidèles d'amour, qui sont dans la lignée des troubadours, pour les fidèles d'amour, la divinité, il y a des théophanies
la théophanie, la femme aimée peut être une théophanie. Pour Béatrice, avec laquelle il n'a pas vécu, avec laquelle il ne s'est pas marié, etc., le visage de la femme aimée ouvre son cœur à une dimension céleste, transfigure sa vie. Et c'est pourquoi, en 1292-93, il écrit « Vita nuova », la vie neuve, nouvelle, N-U-O-V-A, la vie nouvelle, et ça ne veut pas dire « je change de vie », etc., c'est-à-dire que sa vie est totalement transformée par cette rencontre irréversible, qui n'est pas d'ordre temporel, mais qui est, Béatrice, en fait, sera le guide céleste de Dante dans son immense voyage et terrible voyage de l'enfer au paradis. Il est, pour des raisons politiques, en effet, envoyé en exil en 1302 à 1321, il se retrouve en exil, et en 1304, cette fameuse comédie, de 1304 à 1321, et le paradis, d'ailleurs, c'est drôle d'ironie du sort, le paradis sera publié après sa mort, c'est excellent. Bon, il publie la Commedia, donc C-O-2-M-E-D-I-A. Donc il travaille de 1304 à 1321, mais ce sont des vers. Et c'est... Ce qui est magnifique, c'est que cette immense épopée mystique, il ne l'écrit pas en latin, justement, c'est extrêmement révolutionnaire. Il l'écrit en langue ordinaire. Il ne s'adresse pas comme les clercs de l'époque, « Ah, je vais emprunter une langue que vous ne connaissez pas, mais qui va vous faire frémir de peur et d'horreur, et par laquelle j'assure mon pouvoir. » Là, il parle en langue que tout le monde peut comprendre, même si c'est une langue magnifique aussi et très bien maîtrisée. Donc, il n'écrit pas en latin. Et donc, cette comédia, donc « Enfer, purgatoire, puis le paradis » qui sera publié plus tard, eh bien, elle sera appelée, c'est tellement une œuvre tellement étonnante, magistrale, et qu'on peut revisiter sans fin, eh bien, elle sera appelée, qualifiée de divine au XVIe siècle. C'est pas Dante qui dit « je suis pas plus que les cathares », pense à ça, il dit « ah, on est les parfaits ». Non, non, c'est après, on a dit, ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout de la 16, ils sont perfectum ou perfecti, donc parfaits, accomplis, etc. Il dit pas « je suis parfait », etc. Bon. Donc là, de même, il dit pas « j'écris une divine comédie », non, il écrit une comédia, et même au début, il voulait appeler ça « vision ». De l'enfer. Au purgatoire, il y aura 9 gradins. Et dans les cieux, il y aura 9 cercles, 9 cieux du paradis. Et puis aussi le chiffre 33 qui revient aussi régulièrement. Et ce grand voyage va nous... nous montrera, quand nous lirons ou relirons cet immense texte, cette conversion au sens convertere, metanoia, cette conversion de Dante qui ira progressivement et bien sûr aidée, accompagnée par la lumière, toujours cette soif immense de lumière qui ira jusqu'à la contemplation de Dieu, avec guidée par la rose blanche de Béatrice. Et c'est dit en toutes lettres dès le début dans l'enfer, la question est bien une question de vie ou de mort, en effet, comme les questions essentielles, à savoir éviter la seconde mort. C'est écrit en toutes lettres.
et sans nous soucier de prendre aucun repos, nous montâmes, lui le premier, moi le second, et nous sortîmes par là pour revoir les étoiles. Et à la fin, la petite fin, vous savez, le soleil, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Bon, je ne vous ai pas tellement terrifié en vous racontant les diverses tortures et damnations, mais qu'est-ce que... Et puis je vous laisse bien sûr, je nous laisse sur la fin, sur notre fin, parce que nous sommes à la sortie de l'enfer, mais qu'est-ce que... parce que là on va après montrer quelques tableaux, qu'est-ce que... est-ce que ça vous donne envie d'aller, non pas voir l'enfer, mais de lire dans... Qu'est-ce que vous... Il y a plusieurs belles traductions. Bon. Tu recommandes une traduction particulière ou pas? Moi j'ai la traduction, il y a le gros livre chez Albin Michel et il y a un livre qui est excellent d'une spécialiste de Dante qui s'appelle Jacqueline Risset. Je crois que c'est, alors, est-ce que c'est le seuil ou, c'est le seuil. Je trouve, hein, c'est le seuil, je crois. Il y a beaucoup de... Mais le diable, parfois, il appuie sur un des plateaux pour faire bon poids, pour dire qu'il faut que j'ai ma... Voilà, et puis aussi, il s'amuse, les bâtisseurs, ou les sculpteurs, les maîtres sculpteurs, parce que bah, on voit défiler du côté des damnés, bah, hélas, qui vont dans la bouche énorme de l'enfer, et bien, vont aussi apparaître bah, des moines, des belles dames, des prêtres, etc. Voilà. Assez intéressant. Mais là, c'est pour frapper l'imagination, mais surtout, moi, je trouve ça, c'est l'avertissement important. C'est pourquoi, c'est la plupart du temps, c'est sur la façade occidentale, c'est-à-dire quand on entre, il y a bien sûr, il n'est pas nommé parce que, bien sûr, il était là, au-dessus, le Christ juge qui l'a, enfin, je ne dirais pas impassible, mais il est là. Je suis la vérité, le chemin, la vie. Bon, c'est la porte. Hein. Et puis, en dessous, il y a le jugement. Donc, nous sommes avertis. De même, vous qui entrez ici, ôtez toute espérance. Bon. Voilà, c'est toujours, nous avons besoin toujours de ces rappels à l'ordre drastiques pour dire non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille ou c'est pas n'importe quoi. Il faut prendre cela au sérieux. Hein. C'est quand même très sérieux. Et encore une fois, c'est une question de vie ou de mort. Qui, entre autres, a peint, a illustré, bien sûr, dans ce point de vue, mais la Bible, la Divine Comédie. Et qui voulait même faire, enfin, illustrer tous les grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Étonnant. Magnifique, Gustave Doré. 1832-1883. À vrai dire, alors ce tableau, je l'ai découvert, alors il y a un lieu que les Parisiens même ne vont pas souvent visiter, parce qu'ils vont toujours dans les expositions temporaires, un lieu très beau qui s'appelle le Petit Palais, le musée du Petit Palais, et en collection permanente, gratuite, ouverte. Vous avez toutes sortes de tableaux de plusieurs siècles, et vous avez aussi une très belle collection d'icônes, on ne sait pas. Et là, j'ai été sidérée quand j'ai vu ce tableau. Là, la reproduction l'éclaire beaucoup plus. Hein, on distingue beaucoup plus les personnages. Ce tableau donc, se trouve au musée du Petit Palais à Paris. C'est un immense tableau. Il date de 1883. Il s'intitule « La vallée des larmes ». Et il
n'y avait pas marqué, moi j'avais pas mon double décimètre, mais immense tableau à vue de, pas de nez, mais de pan, il doit mesurer à peu près 6 mètres de long. Et je vous dis, il est beaucoup moins. Là, c'est la photocopie qui est. Merci à Benjamin d'avoir fait ce travail. Mais c'est beaucoup plus obscur, tous les personnages, etc. Et on voit cette lumière qui arrive. Et là, on distingue, en effet, c'est le Christ avec la croix. Et le tableau, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le titre, c'est La vallée des larmes. Voilà, La vallée des larmes. Et cela continue à travers les siècles. Le Christ ressuscité est représenté sortant de son tombeau, ou bien sûr au matin de Pâques apparaissant à Marie-Madeleine. Donc tous les grands peintres de la tradition occidentale le représentent ainsi. Or, autant que je puisse savoir, donc merci de rectifier si ce n'est pas juste, l'Église d'Orient, les orthodoxes, représente, si je puis dire, la résurrection par cette descente du Christ aux enfers, et non pas aux limbes, comme disent certains, ou par les femmes au tombeau, c'est-à-dire devant le tombeau vide. D'accord. Mais la résurrection, avant, si je puis dire, le matin de Pâques, la résurrection, comment dire? Pour ça, ce sera le défi relevé par l'évangile de Nicodème. Comment dire, ou comment capter, ou comment saisir l'insaisissable, ce moment, cet instant, cette éternité prodigieuse, miraculeuse et surhumaine, qui est en effet la résurrection du Christ. Que ce soit les femmes myrophores, c'est-à-dire qui portent des aromates, et qui voient l'ange et le tombeau vide, c'est une église d'Istanbul, dans mon souvenir, ce n'était pas si grand que ça comme édifice, je me souviens que ce n'était pas trop grand, de Saint-Sauveur, Ilkora, fresque qui date, là, le côté culturel, 1300, vers 1315, 1320, donc fresque du XIVe siècle, et où le Christ, en effet, prend par la main droite Adam, et la main gauche Ève, et emmène donc toute l'humanité, ressuscite, rédime toute l'humanité donc vers la lumière éternelle. Le Christ lumineux dans la mandorle. Évangile selon Nicodème. Les actes de Pilate ou évangile de ou selon Nicodème. Donc ce qu'on appelle des apocryphes. Est-ce que c'est un apocryphe? C'est-à-dire ce sont ces récits, c'est un récit caché, sont des récits qui ont été écrits souvent 2e, 3e, 4e siècle de l'ère chrétienne, et souvent donc concomitants des évangiles, des quatre évangiles qui ont été retenus, officiels. Et donc ce sont des écrits non pas à rejeter ou qui sont étranges, etc. Mais ce sont des récits qui n'ont pas été retenus dans le canon officiel. Mais ces apocryphes ont irrigué absolument non seulement l'imaginaire, mais d'abord aussi la foi des chrétiens, et ont inspiré des tableaux, des peintures, des fresques, etc., à travers siècles. Alors, de quoi est-il question? De fait, alors, bien sûr, pour un sujet bien, bien subtil, dans les quatre évangiles que nous connaissons, il est question de l'ensevelissement de Jésus. Alors, je ne vais pas vous donner les références, ça paraît un peu fastidieux, vous le trouverez. Matthieu 27, Marc 15, je vous donne juste les chapitres pour faire bref, Luc 23 et Jean 19.
quatre évangiles parlent de l'ensevelissement de Jésus. Et ensuite, si je puis dire, il parle, je suis alors, excusez-moi pour enfin, tous ceux qui connaissent ça, j'ai l'air très didactique, mais par contre aussi, il faut redire des choses. Et ensuite, les évangiles, les uns et les autres, parlent de la résurrection, c'est-à-dire le matin de Pâques, l'apparition à Marie-Madeleine, et après à quelques disciples, les pèlerins d'Emmaüs, etc. La question que l'on peut se poser, en effet, que se sont posés bien des premiers disciples, premiers chrétiens, c'est que s'est-il passé entre la mort sur la croix, l'ensevelissement et le matin de Pâques ? Le fameux mystère, le fameux silence, mystère profond de ce qui est appelé le samedi saint. Ou est-ce que Dieu est absent, ou est-ce que c'est plutôt Deus absconditus, le Dieu caché ? Alors non pas qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps, hein, mais pas dans, mais à aucun moment les évangiles officiels ne parlent de ces heures mystérieuses, ou peut-être il n'y a pas d'heure. Et ces apocryphes, en effet, dont les actes de Pilate ou l'évangile de Nicodème, parlent de ce qui s'est passé et même parlent du procès fait à Jésus. Il y a de très nombreuses versions. Ces actes de Pilate ou évangile de Nicodème certainement remontent au IIe siècle, bon, c'est très, très ancien, très proche de la vie de Jésus, remontent au IIe siècle et ont circulé, ont été mis par écrit en beaucoup de langues, le syriaque, l'arménien, l'hébreu, le grec, le latin, etc. Donc ils ont énormément irrigué toute la chrétienté. Et vraiment, il y a deux versions, donc je fais bref pour ne pas avoir les redites, qui vont trouver ça. C'est au IVe siècle que nous avons surtout deux versions à laquelle je me référerai, mais on sait qu'il y a eu dès le IIe siècle des versions de cette imagination qui a donné naissance à la descente de Jésus aux enfers, dont il n'est point question dans les quatre évangiles, et qui sera reprise, cette descente aux enfers, par le dominicain Jacques de Voragine, vous savez, dans la légende dorée, il va carrément, non pas plagier, il va reprendre absolument dans la légende dorée, Jacques de Voragine, l'évangile de Nicodème. Là, tous les défunts, mais qui ont, ils ne sont pas sans conscience, etc., tous frémissent d'allégresse, tous frémissent d'allégresse. Et c'est alors que, parce que dans les enfers règne qui ? Eh bien, règne, selon cet apocryphe, à la fois Satan et Hadès, hein, donc là, on se partage aussi un peu Satan et Hadès, et donc, en entendant ces mots, patriarche, prophète, etc., tous frémissent d'allégresse, et voici un passage un peu long, mais assez savoureux. Tandis qu'ils se réjouissaient tous à la fois, Satan, l'héritier des ténèbres, survint et dit à Hadès : Toi, le glouton et l'éternel affamé, écoute-moi bien. Un juif nommé Jésus se fait appeler fils de Dieu. Ce n'est qu'un homme. Les juifs l'ont crucifié. Je les ai bien aidés. Maintenant qu'il est mort, prépare-lui ici de solides entraves. Ce n'est qu'un homme, je sais, dont j'ai surpris cette plainte. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais il m'a causé beaucoup d'ennuis, autant il vivait dans le monde parmi les mortels. Quand il rencontrait mes sujets, il les chassait, et les gens que j'avais fait bossus, aveugles, boiteux, lépreux, ou que j'avais affligés d'autres maux, d'une seule parole, il les guérissait. Beaucoup qui par mes soins étaient prêts pour la tombe, d'une seule parole encore, il les ressuscitait. Hadès répondit, cet homme est capable de pareils exploits avec une telle parole, une seule parole. Tu ne pourras pas te mesurer à un tel adversaire. Personne, à mon sens, ne lui tiendra tête. Il craint la mort et tu dis avoir surpris cet aveu. Mais il a dit cela en plaisantant, il se moquait de toi.
Il compte t'enlever de sa main puissante. Malheur, malheur à toi dans tous les siècles. Satan dit, ô enfer, donc c'est Hadès hein, qui est l'enfer et le séjour. Ô enfer, gueule toujours béante, tu as donc si peur lorsque l'on te parle de notre ennemi commun. Moi, je n'ai pas tremblé, dit Satan. J'ai excité les Juifs et ils l'ont crucifié. Ils l'ont abreuvé de fiel et de vinaigre. Prépare-toi plutôt, lorsqu'il viendra, à le maîtriser vigoureusement. Et Hadès répondit, héritier des ténèbres, fils de perdition, ô diable, tu viens de me dire que d'une seule parole, il ressuscita un grand nombre de gens. Et, s'il a libéré des hommes du tombeau, comment et par quelle vertu le tiendrons-nous enfermé ? Naguère, j'ai englouti un mort du nom de Lazare, et peu après, un vivant par une seule parole l'a arraché à mes entrailles. Oui, donc là, il commence à... je suppose que c'est celui dont tu me parles. Si nous le recevons ici, nous nous exposons, je le crains, à quelques ennuis avec nos morts. C'est très savoureux, terrible, et en même temps imprégné, ça rappelle en effet tout le parcours des évangiles officiels. Tous ceux que j'ai engloutis depuis le commencement, continue Hadès, je les sens bien agités, j'en ai le ventre tout endolori, etc. Ce Lazare, qui m'a été ravi le premier, ne me laisse rien augurer de bon. Il s'est envolé chez moi, bon là je continue. Ainsi je t'en conjure, continue Hadès à Satan, le diable, ainsi je t'en conjure, dans ton intérêt et dans le mien, ne me l'amène pas ici, car je soupçonne qu'il ne vient ici que pour sauver tous ces pécheurs qui sont mes morts. Je te le répète, par notre royaume de ténèbres, si tu le fais descendre, il ne restera plus un seul trépassé en mon pouvoir. Et Satan et Hadès vont discuter ainsi quand, alors là bien sûr vous allez reconnaître la célèbre parole du psaume, Satan et Hadès discutaient ainsi quand une voix tonna, élevez vos frontons, princes, élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. C'est tout à fait une citation du psaume, je ne sais plus si c'est le psaume 22, j'ai développé quelque part, mais enfin en tout cas du psaume. Et à ces mots, Hadès dit à Satan, va-t'en si tu es vaillant et livre-lui bataille. Et Satan sortit, et alors Hadès dit à ses démons, fermez bien les portes de bronze, poussez les barres de fer, renforcez les verrous, exercez une surveillance sans relâche, car s'il descend chez nous, il deviendra notre maître. Et je dis ça parce que bien sûr, dans toutes les fresques ou les icônes, vous verrez après les portes qui sont renversées et vous aurez un tas de quincailleries en dessous, de clous, de vis, de verrous, etc. Absolument inutile, puisque le roi de gloire a brisé les portes de l'enfer, a tout renversé pour libérer les captifs. Et à nouveau, donc vous voyez la peur de Hadès et de Satan, et la voix à nouveau retentit, ouvrez vos portes. Et en entendant cette parole pour la seconde fois, Hadès demanda comme s'il ne savait pas, quel est ce roi de gloire? Les messagers du maître lui dirent, c'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats, aussi référence au psaume 23. À peine avait-il prononcé ces mots que les portes de bronze se fracassèrent et les barres de fer se rompirent et tous les morts furent déliés des chaînes qui les retenaient et nous avec eux, disent les deux frères ressuscités. Et le roi de gloire entra sous l'aspect d'un homme et les ténèbres de l'enfer devinrent éblouissantes. Aussitôt Hadès s'écria, nous sommes vaincus, malheur à nous. Mais qui es-tu donc, toi qui possèdes une telle puissance et un tel empire? Qui es-tu, toi qui es venu ici exempt de faute? Toi qui parais petit et réalises de grandes choses? Toi qui es humble et sublime, esclave et maître, soldat et roi?
toi qui commandes aux morts et aux vivants, c'est magnifique, parce que c'est Hadès qui fait le, presque l'éloge du Christ. Oui. Tu fus cloué en croix et déposé au tombeau, et te voilà soudain libre, et tu as anéanti notre royaume. Es-tu ce Jésus dont Satan, notre chef suprême, nous a parlé? Alors le roi de gloire empoigna par le sommet de la tête le chef suprême, Satan, et le livra aux anges, disant « Mettez-lui des chaînes aux pieds et aux mains, au cou et à la bouche. » Puis Satan le donne à Hadès et il dit « Prends-le et surveille-le étroitement jusqu'à mon retour. » Hadès reçut Satan et lui dit « Belzébuth, héritier du feu et du châtiment, ennemi des saints, qu'est-ce qui t'a poussé à faire crucifier le roi de gloire ? Il est descendu chez nous et nous a dépouillés. Retourne-toi et vois, il ne nous reste plus de mort. » Et ça continue, donc après il s'invective, donc les deux complices hein, de la mort et de la finitude. Voilà. Comment as-tu osé le laisser entrer ? Pourquoi as-tu cherché à faire choir dans les ténèbres un homme qui t'a enlevé tous ceux qui depuis l'origine étaient morts ? Hadès parlait encore à Satan quand le roi de gloire étendit sa main, saisit Adam, notre premier père, et le ressuscita. Voilà la fameuse scène. Puis, se tournant vers les autres, il dit, donc bien sûr, le roi de gloire dit, « Venez avec moi, vous tous qui devez votre mort au bois que celui-ci a touché, car voici, je vous relève tous par le bois de la croix. » Alors, il les fait tous sortir, et l'on vit notre premier père Adam rempli de joie. « Je rends grâce à ta magnanimité, Seigneur, car tu m'as fait remonter du fond des enfers. » Et tous les prophètes et tous les saints disaient, « Nous te rendons grâce, Seigneur, sauveur du monde, qui a tiré nos vies de la corruption. » Et tandis qu'il parlait, le Seigneur bénit Adam en marquant son front du signe de la croix. Il fit le même geste avec les patriarches et les prophètes, les martyrs et les ancêtres, et d'un bond, la remontée est rapide, d'un bond, il les fit sortir de l'enfer. Et pendant qu'il marchait, les saints-pères chantaient derrière lui, béni, louange, etc. Et voilà encore un passage qui sera honoré par l'iconographie et qui est très touchant, mais pas un côté touchant émotionnel, c'est profondément bouleversant. Il se rendit au paradis, donc bien sûr le roi de gloire, il se rendit au paradis tenant notre premier père Adam par la main et il le confia à l'archange Michael, ainsi que tous les justes. Et c'est alors que se présente, donc là Jésus le ressuscité confie toute la cohorte hein, des délivrés, des captifs délivrés à l'archange Saint-Michel. Et à ce moment-là, il y a deux vieillards, enfin comme des vieillards de l'Apocalypse, c'est pas une question d'âge, hein, vous avez bien compris, deux vieillards qui s'approchent de cette cohorte de justes et ils disent « Qui êtes-vous ?» Et les justes, la cohorte des justes, enfin des délivrés, disent « Mais qui êtes-vous » Parce qu'eux, ils n'étaient pas avec eux aux enfers. « Mais qui êtes-vous, vous qui venez à notre rencontre ?» Alors, petite devinette pour sonder. Qui sont, entre autres, deux, il y en aura trois, mais deux anciens qui ne sont pas passés par les enfers. Élie. Oui. Et Enoch, peut-être. Qui ont été enlevés... et de Élie. Et vous verrez, dans une, on les représente, enfin, on trouve dans une icône russe, enfin, ce que j'ai trouvé, où on voit en effet la cohorte qui arrive, plus qu'une cohorte, une troupe immense, délivrée par le roi de gloire, et en haut, il y a les anciens, il y a Élie et Enoch. Mais il n'y a pas que Élie et Enoch, donc je suis Enoch et lui c'est Élie, etc. Et tandis qu'il parlait, donc Enoch, Élie avec ceux qui arrivent des enfers, tandis qu'il parlait, un troisième homme arriva, humble, les épaules chargées d'une croix. Les saints-pères lui dirent, et toi qui ressembles à, je ne vais pas dire, qui es-tu ? Quelle est cette croix sur tes épaules ? Qui ressemble à un larron. Voilà. Et toi qui ressembles à un larron, c'est-à-dire un voleur, hein. Et toi qui ressembles à un larron, qui es-tu ? Quelle est cette croix sur tes épaules ? Et il répondit,
Comme vous dites, j'étais un larron et un malfaiteur dans le monde. Pour cette raison, les Juifs m'arrêtèrent, donc ils racontent tout aussi. Et il a cru en Jésus, et lorsque je lui parlais, Seigneur, lorsque tu régneras, ne m'oublie pas. Et le Seigneur me répondit, en vérité, donc on reprend, hein, en effet, tu seras avec moi dans le paradis. Je me rendis donc dans le paradis, chargé de ma croix, rencontrant l'archange Michael, je lui dis, notre Seigneur Jésus le crucifié m'envoie ici, conduis-moi donc aux portes de l'Éden. Il a raison, hein, on ne demande pas, conduis-moi aux portes de l'Éden. Voilà quelqu'un qui croit absolument en la parole du Christ, absolument. Je viens directement, moi je ne passe pas par les enfers, je viens directement. Et quand son épée de feu, Michael, vit le signe de la croix, eh bien, Michael ouvrit et j'entrai. Puis l'archange me dit, attends un peu, le premier père du genre humain, Adam, arrive avec les justes, ils vont entrer. Et dès que je vous ai vu, dit le larron, je me précipitais à votre rencontre. Voilà. Donc, ça se termine presque ainsi. Et en entendant ce récit, tous les saints s'écrièrent à pleine voix, grand est notre Seigneur et grande est sa puissance. Et le récit se termine presque en disant, les jumeaux, donc qui ont transcrit tout ça comme témoignage, voilà, parce qu'ils faisaient partie, vous avez bien compris, de ceux qui étaient dans les enfers et qui ont été délivrés par le roi de gloire. Voici tout ce que nous avons vu et entendu, nous les deux frères jumeaux, etc. Mais maintenant, nous ne pouvons plus rester ici et nous nous en allons. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Quand ils eurent fini d'écrire et fermer leur cahier, ils en donnèrent la moitié au grand prêtre et l'autre à Joseph d'Arimathie, bien sûr, et à Nicodème. Et aussitôt, ils devinrent invisibles pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà ce récit qui est magnifique, en même temps plein d'humanité, hein, pétri d'humanité et pétri de lumière aussi céleste et d'écriture, qui a inspiré, c'est ça qui s'est passé pendant, entre l'ensevelissement et le matin de Pâques, mais voilà la façon humaine et merveilleusement humaine qui a inspiré, qui a fait que maintenant l'on dit, enfin dans certains credo, Jésus est descendu aux enfers et a délivré en effet tous ces morts qui attendaient délivrer les captifs. Voilà cette histoire, cette anecdote, c'est comme les paraboles, si on peut dire, Chébli raconte. C'était au jour du jugement dernier, parce que bien sûr, ce voyage aux enfers là, qui non pas se termine, mais en tout cas cette rencontre se termine bientôt, pose la question aussi après le jugement dernier, la résurrection des corps, la résurrection des morts, et puis qu'est-ce que l'enfer, y a-t-il un enfer, châtiment éternel ou pas, bon, ça c'est une question tellement immense et qui ne font pas partie, enfin bon, c'est un début. Et alors voilà ce que Chébli raconte. C'était toujours du jugement dernier. Je volais tel un oiseau sous les arcs du pont, alors surgit l'appel de l'enfer. « Oh, Chébli, je veux récupérer ma part de ton être. Prends ce que tu désires, dis-je. Je veux tes mains, l'enfer. Prends-les. Tes jambes. Prends-les. Tes yeux, voici. Ton cœur, oui. Mais la voix de Dieu descendit sur moi. Oh, Chébli, ne sois généreux qu'avec ce qui t'appartient et non avec ce qui ne t'appartient pas. Ton cœur est mien. » C'est beau, hein? Et du côté... alors, il faudrait que je retrouve mes textes. Du côté de la mystique juive, du racidisme, hein, cette mystique juive du XVIIIe siècle, grand maître spirituel, du XVIIIe siècle en Europe centrale, il y a aussi ces mêmes témoignages de compassion. Je vais aller en enfer pour sauver tout le monde, ou du moins pour épargner l'enfer à quelques-uns ou à tous. Et Rabbi Moshe de Sassof disait, quand mon heure viendra et que je devrais me présenter devant le tribunal céleste,
je demanderai à aller en enfer. Cela vous choque? Réfléchissez. Qui se trouve au paradis? Les sages, les saints, les pieux, les justes. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de moi. Donc, ils décident d'aller en enfer. Donc, je trouve ça très, très juif comme façon de parler. Et une autre fois, alors je ne trouve pas ma suite. Ah oui, une autre fois, excusez-moi, je ne trouve plus ma petite suite. Non, là c'est un autre. Non, le même, Rabbi Moshe, Moshe de Sassov. Quand j'arriverai en enfer, je vous jure que je ne le quitterai pas avant d'emmener jusqu'au dernier de ses habitants avec moi. Et je dirai au juge, toute ma vie, j'ai essayé de libérer des prisonniers. Pourquoi voudriez-vous que je cesse maintenant? Là, ça fait écho aussi hein, à libérer les captifs, hein, le jeûne véritable, hein, d'Isaïe. Et Rabbi Nachman, qui est très connu, hein, Rabbi Nachman de Breslav, il assure qu'après sa mort, en effet, si des fidèles viennent prier sur sa tombe en récitant 10 psaumes particuliers, il fera l'impossible pour obtenir le salut. Et il dit, je m'étendrai en long et en large pour le sauver, et par sa chevelure, je le tirerai pour le sortir du plus profond des enfers. Intéressant de revoir toute cette gestuelle, hein, de sauver, cette compassion. Plus proche de nous, ça s'éloigne de la tonique, il prie pour que tous les hommes soient sauvés. Voilà. Mais oui, non, là c'est Saint-Isaac de On ne peut pas espérer que les démons sont convertis un jour, là. Pardon? On ne peut pas espérer que les démons sont convertis un jour. Alors c'est là l'énorme sujet que je vous laisse traiter. Mais voilà, peut-être, ça ne clôture pas, puisque c'est en effet le chemin continue. Et bien sûr, de ça je peux faire passer ça, quand l'histoire de l'enfer et le paradis, en effet, c'est aussi un état profondément intérieur. Je trouvais très, très joli ce chapiteau, c'est de Saint-Benoît-sur-Loire, qui représente bien sûr comme un enfant nu, l'âme partagée. Et il y a aussi, on dit c'est vraiment caricatural, etc. Mais c'est important parce que les images touchent le cœur. Hein. Et on voit en effet l'ange et donc la ligne de partage, en effet, entre, si on peut dire, l'enfer et le... qui n'est pas à l'extérieur, mais que j'alimente. C'est moi qui alimente l'enfer. Bien que ces discours ascétiques, on ne les trouvait plus, ont été publiés. Nouvelle avec ça, traduction de Placide de Sales, c'est ça aux éditions du Cerf avec l'abbaye de Bellefontaine. Ces discours ascétiques, ils sont admirables. Et voilà entre autres ce que dit, enfin, petit passage. Tant qu'un homme vit dans la négligence, il craint l'heure de la mort. Quand il s'approche de Dieu, il craint l'heure du jugement. Mais quand il va de l'avant de tout son être, les deux craintes sont submergées par l'amour. Là, je passe. L'homme charnel craint la mort, comme l'animal craint l'abattoir. L'homme raisonnable craint le jugement de Dieu, mais celui qui est devenu fils est revêtu de la beauté de l'amour et n'est plus mené par la crainte. Là, c'est vraiment les trois degrés aussi de la vie, corporelle, psychique et spirituelle. Et bien sûr, pour évoquer ce thème de la seconde naissance qui a été un des thèmes majeurs prêtre Maurice Tundel. Le vrai problème n'est pas de savoir si nous vivrons après la mort, mais si nous serons vivants avant la mort. Si nous étions vivants avant la mort, en effet, s'il y avait en nous cette grandeur, cette puissance de rayonnement où s'atteste une valeur, s'il y avait en nous une source jaillissante, si notre vie portait partout la lumière, la mort serait progressivement vaincue. Et dans une toute autre ère,
culturelle ou religieuse, enfin tout autre. Ramana Maharshi, hein, grand sage de l'Inde, qui répétait très souvent, découvrez si vous êtes né avant que de penser à la mort. Découvrez si vous êtes né avant de penser à la mort. Oui, alors il y a un petit viatique de Sainte Thérèse d'Avila. Le ciel est tout au long du chemin vers le ciel. Voilà le viatique. Pas du jugement. Assurément, je t'enverrai en enfer. Et le pécheur dit, tu ne peux pas. Pourquoi donc ne puis-je pas t'envoyer en enfer et pour quelle raison? Parce que j'ai toujours vécu en enfer. Et merci à l'esprit qui nous vivifie. Belle route à chacun et à tous. Merci. Et au siècle des siècles.